Quel est ce bruit maléfique? Le titre du live, je l'avais pas vu. Pourtant, je vous ai dit de regarder le nom du live. Mais bon. Ah, ils ont bloqué les portes. Les portes sont bloquées par ordre de Resch. Je suis une chercheuse. Je vais où je veux. Resch s'en fiche. Aucune exception. Oh, je commence à en avoir marre. Réponse comme tu veux, Warlox. Quoi? Pourquoi j'ai posé une question encore? Une question inutile? J'ai quoi moi? Oula, j'ai rien du tout, tu vas attendre 5 minutes frère. Comme tu le sens, d'ailleurs on a perdu Loulou, elle est partie avec Jean. J'en pense que du bien. Non, elle est restée avec Jean. Ouais, je vais au bon endroit, ok, c'est cool. Ah merde. Fichtrerie. Zut, flûte, fichtrerie. C'est quoi comme machine? Ah, des veilleurs en plus. Chose est sûre, il veille au grain. Non, tu veux pas venir? Il faut peut-être que je fasse péter une bombe atomique pour que tu te rapproches, non, peut-être? Ah là là, la fatigue me fait dire n'importe quoi. Excuse de la fatigue, lol. Taisez-vous, Captain Kazama. Pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous dire. C'est plus Captain Flamme. Les gars, vous êtes relou un peu. C'est rigolo, on dirait des jouets de loin. Tu sais, les petits jouets que t'achètes, tes enfants. De loin, oui, MDR, ouais, même de près. Hein.
parfait pour un remède traditionnel. C'est bon, je peux avancer maintenant? Allez hop. De près. Ah, dans ce cas, Warlock, ce qui a vu verra. Oula, il y a le peuple en face. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Oula, tu people out. En plus, ils sont chiants parce qu'ils enlèvent la belle musique pour mettre la musique de jeu de mode genre Tchavitch et qui est entouré de fils de lâche, de fils de Ponce Pilate. Bah, toi, tu bouges trop. En plus, vous êtes niveau combien? Vous avez un niveau de merde? Ouais, niveau 5. Tu es dans une zone de chasse, tu peux monter sur des espèces de tours et tuer tout le monde. J'ai mis la musique du menu dans mes oreilles. Ah, la musique du menu, elle est cool, hein. Ouais. Les fils de but. J'ai dit but. Ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée que j'aille là-bas, en fait? Étant donné qu'il tourne en rond, là. À défaut de tourner dans le vide. MDR Loulou a les bonnes références. De Brom. Occupons-nous de ces veilleurs. MDR, Warlocks, est tourné manège. MDR, il a pété les plans. Ça, je vais en faire un même. Il faut monter. Je suis vieux. Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. Non, c'est mieux tourné, ménage. C'est pas un truc des inconnus, ça. Ah, mais c'est ça que je dois prendre. Ah, apparemment, ouais. Suivez les traces de sang, ok. MDR, oui, Warlocks. Ah bah voilà, qui veut des piles? À qui est ce couteau? Bah, je veux bien examiner le couteau, mais il faut qu'Aloy me le propose. Voilà. Quelqu'un aurait attaqué Brom avec? D'autres traces de sang. Elle mène vers un autre endroit. Bon, on va éviter de tomber, hein. Tu vas affronter des humains, je crois, dans cette mission. Ah, ok, d'accord, cool. Là, un saut.
On aurait apporté le sang au campement? Les traces de sang s'arrêtent là. Bah Tonio, en fait, il refait la musique du jeu, l'intro du jeu. Je sais pas si tu te rappelles, Captain. Heureusement que j'ai entendu le bruit mécanique, hein, sinon je faisais un tout droit et je finissais droit dans les verres. Allez, combien il y en a? 1, 2, 3, soleil! Surtout que je sais pas où vont les traces après. Et alors il serait passé à la machine. Eh oui, et jeu de mots. Elle est belle la musique, ça passe super bien en regardant le live de Warlocks. Bah après c'est vrai que moi Horizon Zero Dawn j'en fais un live détente ou reposant. J'en fais pas un live où je vais l'avoir tu vois genre. Juste que des fois je le fais pour aller un peu plus vite mais sinon. Vous avez fait l'erreur de votre vie. Enfin, quand je pourrais tirer, bien sûr. Oh, tu as vu quelque chose? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? On s'y croirait. De quoi, dans le jeu? Le loup, dans le jeu? Mais que se passe-t-il? Non, mais pourquoi tu as tourné la tête? Oui, Loulou, le jeu est super cool. Oui, tout à fait, Loulou. Ah oui, le jeu, il est cool. Hein. Moi, je le connais pas du tout. Franchement, le jeu, il est très cool. Hein. Est-ce que je peux monter plus haut? Est-ce que c'est utile que je monte plus haut? Non, bah, faut quoi que... Ouais, allez. Grugé de jeu, attention, attention. Non, oui, non, et non. Ah, mais ils sont relous avec leurs arbres en plein milieu, là. Ils sont où, en plus? Ils sont tous les deux là? Ouais, ils sont tous les deux là. Bah, je pourrais gruger par là, aussi. Cruche du jeu level 12. Après c'est que des veilleurs, tu peux les faire au corps à corps. Lara Cruche et de retour. Ouais je sais que j'aime bien, je peux les faire au corps à corps, mais j'aime bien attaquer à l'arc. Tu vois, genre c'est un jeu qui te permet d'attaquer à l'arc. Du coup j'en profite un peu. Je sais pas, je trouve que c'est kiffant en fait de les faire à l'arc. Les machines. Non, ce nom est interdit, MDR. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi hein, si vous voulez que je m'en batte les couilles complets ou si vous êtes d'accord avec moi que c'est bien de les faire à l'arc, tout ça et tout, parce que ça nous entraîne aussi. Moi, j'ai une petite préférence pour les faire à l'arc. MDR, Captain, on fait des cauchemars, pardon, Captain. Bah allez, tu es tout seul, fais un demi. Voilà, merci. Et regarde-moi bien aussi, tu as raison. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, les traces, ouais, les traces, elles sont là-bas, ok. D'ailleurs, Loulou, c'est pas grave, ça arrivera encore, je le sais.
Ah bah oui, il a raccroché, on sait tous que c'est ta grande amie, hein, Captain. Ah mais je suis revenu ici? Sérieux? Oui. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Suivre les traces. Les traces de quoi? De ça? Allez. Traversons toute la carte à pied. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ces charognardes? Ah non, il n'y a pas d'humain dans cette quête, je l'ai confondu avec une autre, je sais pas ce qui t'attend, c'est pas grave. Hein. Elle fait un tri. N'écoute pas Captain car depuis qu'elle a joué à Rise, elle est perdue. Ah, il y a une autre machine. Je n'ai aucune peine. Je dirai pas la suite parce que c'est que des insultes, mais... Un tri recyclable. Le soleil se lève. Mais avec moi, le soleil va faire que ça, se lever, se coucher, se lever, se coucher. T'inquiète pas, alors tu es pas prête. Ah, Zbida. Ta gueule. Reste tranquille, garde la pêche. Je sais Captain, inutile de me remercier. Je vais devoir abandonner autre chose. C'était un veilleur, on dirait, celui que je piste. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. GG Warlock Ciné. Ouais, moi je veux fouiller, tu vois. Les traces. Affiche la piste. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un sanglier. Ah! Mais. Non, mais vraiment là? Mais je m'en fous du sanglier! Non, mais vraiment là? Non, mais il me prend vraiment pour un con celui-là. GG Warlockxine. Ah bon. Warlockxine. Warlockxine, ça fait un peu nom de médicament quand même. Et c'est là que ça s'arrête en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Cette réserve a été pillée. Rome a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? Pour le mal de tête. Vous avez mal à la tête, prenez Warlockxine. J'ai mal à la tête. Oh, mais il me reste des Warlockxine, c'est ça en fait. Vous êtes passé le mot quoi. Suivre les traces. Encore, mais c'est pas fini. Mais dis-moi, tu me prends peu pour une conne, toi. Hein? Non mais vraiment là.
Non, non, descends, descends, descends. Ouais, si tu veux, descends comme ça aussi. C'est une bonne idée. Lâche. Merci. C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite? Merci à Lulu, c'est juste magnifique, Warlock Sim. Et sinon, dans l'histoire, le mec, il est pas censé être blessé. Je sais pas, je demande, hein, parce que... Je veux tuer elle avant de lui faire du mal. Trouvez le chemin avec Warlocks. Oh, ce rattrapage aime l'air, j'en suis pas sûr. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Voilà, Oxine est là dans toutes les situations confuses. D'ailleurs, Loulou a ramené Jean. Vous êtes prêt pour un dialogue qui va durer 50 ans? Il était avec elle. Alors, je sais que c'est difficile, mais je peux t'aider. Ressaisis-toi. Approche, ça évitera. Ça m'évitera d'avoir à crier. Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt, ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce? Comme celle de Lara? Oh, ça fait si longtemps. Lara? Ah non, Dolara, pardon. Oui. Oui, les dialogues de lenteur. Oui, je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la toute mère. Leur Croft, leur voix, oui, Lara Croft. Dolara Croft. Jamais en paix. Elles me disent de faire des choses. De faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, non, je arrête. Préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme sauf, quand le chasseur m'a poussé. Sauf. Il brise lui le crâne avec une sauf pierre, que, ils voilà. Ont dit. Hein? Sauf. Je l'ai sauf fait. Ou sauf. Brom, tu es vivant. Béni soit la toute mère. Mais la toute mère, c'est une porte. Suivi, je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 ma sœur, je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Elle sort d'où, elle? Tu en as la certitude, tu peux l'aider? Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leur murmure, ma tête est pleine de leurs cris. Ah bah putain, la toute mère est passée partout, pardon. Bref, je me tais. Il a besoin de toi, il doit s'éloigner des autres Nora. Il a besoin de toi. On n'est pas prêt à revenir dans la tribu, mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la toute mer. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la toute mer t'accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix. J'en crois pas. Jean ? Et avec tout ça, je suis toujours pas passé niveau 12, niveau 11, niveau 12. Allez, alors il s'en va. Boum boum. Vous êtes fatigant.
Requin de Bungie, soif de démon. Allez. Aloy et Vera. Joue Aloy et tu verras. Bref. Ah, ça fait mal. Mais c'est pas grave, j'ai des soins. Vous êtes fatigué, non? On n'est pas fatigué, non, vous êtes fatigant. Ah, il faut que j'aille là-bas, ok, c'est cool, c'est où sur la carte? Aidez! Bruh! 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 Ouch. Pourquoi bro, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bah, t'as vu comme c'était loin ou pas? De toute façon, on va pas tarder. On va pas tarder à faire la pause. De toute manière. Mais il y a encore des machines! Que c'est mignon! T'as raté un message de Loulou Warlocks. Lequel? De quoi le. Si je l'ai vu. C'est une bonne ref en plus. Oh, pause déjà. Ouais, bientôt, dans 4 minutes. C'est vite passé. Ouais. Après, on fera une petite pause de 5 minutes, histoire d'aller vous chercher à boire, à manger, ou de bouger un peu, de vous lever si vous en avez marre d'être assis. Et après, on repartira pour 1h30. Et on s'arrêtera là. Oh, il y a une charognarde devant. Tu veux des piles? Le console voyait le mot abhd. Tiens, T-bag. Ah, oupsie. Oupsie. Oh. MDR, on a perdu Warlock. Non, c'est pas vrai. Mais je veux fouiller. Mais je voulais une tisane. Voilà. Je voulais une machine. C'est où? Ah, c'est là-bas. Ah, il y a de la bleuette. De la bleuette, non, de la bleuette. D'un camp de bandits, dans des ruines de la bleuette. Ça doit être cet endroit. Il ferait mieux d'être prudente. La galère pour sortir de l'eau, ah, c'est ça. Ah, c'est ça le camp? Ah, je crois que c'est ça. Y a pas un feu dans le coin, j'imagine. Y a pas un feu dans le coin? Ah non, y a pas de feu dans le coin. Oh, tu veux des piles? Oh. C'est du racel si tu veux. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause maintenant. Parce que je vois qu'il y a tout ça là-bas. Et tout ça là-bas, je sais que ce sont des méchants. Des agrogrou, nous sommes les méchants. Voilà. Donc on va faire la pause maintenant de 5 minutes. En tout cas, les graphismes sont splendides, c'est vrai. On va faire la pause maintenant de 5 minutes. Une petite pause de 5 minutes. Si vous avez envie d'aller vous chercher à manger, à boire, ou de vous lever tout simplement, de bouger un peu, de. Voilà, tout simplement. Derrière Gougou, nous sommes les méchants.
Donc petite pause de 5 minutes, je coupe la caméra, je coupe le micro, et on se retrouve dans 5 minutes. Ça marche, Warlocksin. Ok, y a pas de souci, Antonio Noon. Ok, pause caca de 5 minutes. Y a pas de souci, je coupe la caméra.